Voilà. Pardon? Donne-moi le porte-monnaie là. J'ai pas saisi. Le petit porte-monnaie là, s'il te plaît. Pote quoi? Donne-moi le porte-monnaie là. Pote. Donne-moi. Bon, d'accord. Vous êtes là pour cricketer. Qu'est quoi? Vous êtes là pour cricketer. Cri? Cricketer. Nous, les stars? Ok. C'est pas maquillé, hein. Je le constate. Voilà, j'ai mis juste mon péri. Il n'a pas vu de parler, hein. Ça va, Brie? Lolo, cette fois-ci là. Non, 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 non. Dis-moi en Côte d'Ivoire. Hé, hey, écoute-moi. Mais dans ton institut là-bas. Hein? Mon institut là-bas. Comment veut dire cela? Mon institut là-bas. Instincteur. Mon institut là-bas. Inspecteur. Mon institut là-bas. Instinction. Mon institut là-bas. Bon, qui a compris ce qu'elle a voulu dire? Djeba? Oui. Tu connais pas? Tu connais bien. Très bien, grand-père. Toi-même, qu'est-ce qu'elle a voulu dire? Ah, qui t'es là-bas? Très bien, Makoso. À ton tour, qu'est-ce qu'elle a voulu dire? Au bas, t'as mis mes vins. Alpha, tu rigoles? Très bien. Donne-nous la définition étymologique de la phrase suivante. Mon institut de là-bas. Moi, je parle français. Donc, elle parle chinois. Mais attendez, oh. C'est pas elle qui disait que... Mais l'ampleur. Mais voilà, tout s'explique. Bon, qui est le ministre de l'éducation nationale dans ce pays? Jabasora. C'est foutaise. Bon, enfin bref. Tonton Samuel Eto'o, s'il te plaît, donne-nous le conseil du jour. Ne vous arrêtez pas parce que la critique, elle est faite pour ceux... qui ont le courage et la volonté de vouloir écrire une histoire, de vouloir changer les choses. Merci. Chef de classe, fais l'appel s'il te plaît. Attention à mon commandement. Pas de sémaphoutisme. Discipliné. Taken d'alliés sont quelqu'un. Alhamdoulilah. Donc la classe est conque. Avant de parler, il faut référendum ici. Avant d'insulter les gens, il faut référendum ici. Avant d'être un hypocrite, il faut référendum ici. Avant d'être jaloux, il faut référendum ici. Avant de regarder ce coup, il faut référendum ici. Avant de commenter ce coup, il faut référendum ici. Très bien. Ma question. Oui. Quel est le slogan de la classe des conques? Tu m'aimes pas, je t'aime pas. Ce qui compte, c'est de plaire à Dieu. Le reste, on s'en fout. Très bien. Le coup peut commencer. Pasteur, quel est l'enseignement du jour? Sois humble. Conclue. Tu n'es pas innocent. Allez le tchat, c'est ça même. Parce que tu n'as pas de péché sexuel. Et il y a des gens dans la vie qui ne pêchent pas sexuellement, pas par conviction, mais par manque d'occasion. C'est-à-dire? Il y a des gens qui se disent, oh, est-ce que vous m'avez déjà entendu, moi, faire ceci? Mais tu n'es pas beau. Ah, ah, mon père, explique-toi. Et tu n'es pas belle. Franchement. Tu as moins de tentations que les gens qui sont beaux. C'est pitiable. Alors tais-toi. Ah, d'accord. Donc, si je comprends bien, les gens qui sont moches, vilains, comme Shrek et son âne, ont moins de tentations parce qu'ils sont laids. Et laides. Pasteur. Prêche. Quand tu ne commets pas de fautes contre les sexes, c'est pas parce que tu es saint, c'est parce que tu es laid. Donc, dorénavant, si ton ami qui est beau ou bien qui est belle, qui pêche sexuellement et que toi, tu es laid ou laid et vilaine, pour ne pas dire vilaine, ferme ta gueule. C'est pas moi qui ai dit, c'est le pasteur. Donc, on note. Ou parce que tu es laid, tu as moins de tentations. C'est clair et net. Alors, quand tu vois une fille belle là. Là, c'est pas bondé. Hein? Oh, elle tombe. Bon, je ne dis pas qu'il faut justifier ça, mais je dis qu'il faut être compréhensif envers elle parce qu'elle, elle a plus de tentations que toi. La même chose, quand tu vois quelqu'un qui a beaucoup d'argent, qui a beaucoup de succès, donc lui, les femmes les suivent. C'est pour ça qu'on peut dire chercher l'argent quand l'argent vous rend beau et propre. Parce qu'elle ne plaît. Hein? Continue, pasteur, prêche. C'est pas comme toi, un pauvre de rien du tout. Quelle femme te suivrait, toi? C'est ça. Que doit-on dire de plus? Pasteur, prêche. Même si tu en as un petit nombre, et celles qui vont te suivent avec des problèmes. Et ou pas, tu discutes. Il peut être aimé par une femme ministre. C'est une grande tentation. Et ou pas, tu discutes. Plutôt que toi qui es aimé par les filles de ton quartier là. Dans la banlieue sud de ta ville là. Dans la banlieue là. Dans les fins fonds là. Je comprends pas. Une telle fille, quand il t'aime, va te faire beaucoup de dépenses. C'est clair et net. Mais le musicien chrétien ici, qui est célèbre, qui est connu, peut être aimé, tenté par la fille d'un ministre. Tu vois que la tentation est grande. Et très grande d'ailleurs. Soyons donc honnêtes quand nous devons juger les autres. Donc, en conclusion finale,
Attends que tu sois beau et belle et que tu aies beaucoup d'argent pour ouvrir ta gueule pour dire oui, j'ai beaucoup de tentations. Merci. Nous pouvons être saints par manque d'occasion et non par conviction. Là, c'est grave ça. Tu n'es pas saint. Tu n'es pas sainte. Tu manques seulement des occasions de péché. Attends, quand tu auras, tu seras beau comme Absalom. Alors tu pourras dire oui. J'ai des tentations et je tiens. Fâchez-vous comme vous voulez, je m'en fous. Julien, tu as vu comment est-ce qu'on prêche la parole de Dieu, non? Tu es bâtard. C'est ça son problème là. Restaurant gastromisikinou. Oui, toi, il y a quoi? Nya, Anya. Anya. Tu veux ma parole? Nya, baille les vies. Oui, ensuite? Est-ce qu'on peut développer un pays avec des sous-là? Anya. Anya, non? Baille les vies. Avant de parler, il faut un référendum ici. C'est une droguée. On a beaucoup souffrance. Non, tu n'es pas sérieuse là. Agneau, café, qu'un assaï, quoi, pas moi, baillez-y. C'est quoi, parce que je pas pour vous. Paye dans baillez. C'est ça qui est là? Toi, tu oses venir m'appeler pour me dire que ton frère te dit qu'il est harcelé ici à la maison. Justement, je devais t'appeler pour qu'on en parle. Explique-moi pourquoi est-ce que mon frère se plaint que toi tu le harcèles. Parce que là, c'est époustouflant. Je vais le harceler jusqu'à la mort, jusqu'à écoulement de sang. Bon, pourquoi? Tu as compris. Je rends grâce, Corona, je te dis merci. Mais explique-nous ce qui se passe. Merci, vraiment, merci au gouvernement de nous avoir demandé d'être confinés. Parce que si ça n'avait pas été toi, je n'allais pas découvrir certaines choses. D'accord. Je suis comme ça depuis un mois, j'observe ça. Et qui, maman, allons plus vite, tu observes quoi? Ton frère est sur moi 4 fois, la même nuit. Ah, est-ce un problème? C'est quoi ça? Le gars mange 3 boules de couscous. Avant l'histoire de confinement, si, c'était à peine s'il me touchait. À peine s'il terminait une boule de couscous. Et qu'est-ce qui a changé maintenant? Il vient te dire qu'il est harcelé. Je ne lui ai pas, harcelé. Hein. C'est quoi qui le passe? Je lui ai juste demandé de me dire où allaient les 3 autres coups. Ensuite? Dès qu'il va me dire là où les autres coups là partaient, on n'aura plus de problème. Toi-même, tu dis avant, c'était bizarre. Maintenant, c'est devenu bon. Et puis, tu veux savoir où est-ce que le reste là, c'est partage. C'est ça, je ne comprends pas. C'est bizarre. Hein? Vous laissez ça. À partir du moment où il était satisfait, c'est le plus important. Les autres coups là, bon, pourquoi tu veux connaître la situation géographique, politiquement parlant, sexuelle? En bref, laisse ça. Et il me dit là où il complétait les autres 2 boules et demi de couscous qu'il mange déjà à la maison. Bon, il dit, ça c'est pas à ton niveau, c'est pas ton problème. À partir du moment où bon, le babanguida qui fait le travail copieusement correct, il faut te satisfaire comme ça. Trop compliqué de rappeler. Bon, c'est que si je vais lui parler, hein, et puis on va voir ce qu'il peut faire. Je dis que tant qu'il ne me dit pas là où les 3 autres coups partaient, sois humble. Là où les 2 boules et demi de couscous, il les complétait. C'est la guerre jusqu'à la mort. On quittait là-bas. Papa, Corona, 100 ans. On quittait là-bas. Je dis 100 ans encore. On quittait là-bas. Je vais le faire. Ouais, je te dis, tu n'as pas confiance. Moi, je suis un star. Oh non, pas lui là. Oh. Vous êtes mes fans. Il y a quoi? Pourquoi vous ne venez pas vous s'abonner? Yo, et ça va où? Dans ma chaîne YouTube Bololo officiel. Bon, on a compris. Pourquoi vous entendre? Merci. Je fâche à vous, je veux te poisson là, vous m'attends, moi. Affaire numéro 1. L'école sénégalaise en pleine souffrance. Écoutez un peu. Nous voir que nous traiter, le ministre de la Santé et de l'Action sociale va nous dire les nombres de cas et les nombres de décès. Il y a certaines qui est d'accord cela, certaines populations qui a dit que ce n'est pas... Macky Sall, tu ne ris plus, hein? Faut pas faire les choses de la Guinée-Conakry là, hein? Baby, I love you. Baby, I love you. I'm good. I will. Le coup est terminé. Danser, allez danser, allez danser, allez danser, allez danser, allez...